Oh, et les gens, alors aujourd'hui, on va s'amuser à faire des fakemon sur le site japil.com qui est connu pour les fusions aussi. Donc, on va générer aléatoirement. Donc, déjà, vous avez vu là, j'en ai généré un aléatoirement. Il a. Alors, la tête de. J'ai oublié son nom. Le petit Cravarèche, le corps d'Aéromite, la couleur de Kyurem. Les bras de Octillery et il est chelou. Il est un peu chelou. Bon. Alors là, on en a un aléatoire. What the fuck? Alors, il a le corps de Morpheo haut. Non, il a la tête de Morpheo haut. On dirait pas du tout. On dirait un chuchemur. Il a pas du tout. Alors, vous voulez savoir? Il a absolument pas de chuchemur dans le lot. Il a la tête de Morpheo de type haut, le corps, les ailes de Libégon. Une partie du corps de Vigoroth. Par contre, ce que je comprends pas, c'est. Il a les cou Ah, il a les couleurs de Libégon aussi. Et il a des bras de Crapustule. Et il a le design de Déméteros. Il a les bras, il a les jambes de Déméteros. Ok. Ah, c'est peut-être parce que les couleurs sont random. Attendez, on va tout mettre en aléatoire. Même parce que là en fait ça mettait toujours les bras et les jambes d'un Pokémon pareil. Là on va voir ce que ça fait si les couleurs étaient aléatoires. Excusez-moi, donc c'est pour ça. Allez, c'est parti. Ok. Ouais, je pense qu'en fait on va mettre les jambes et les bras pareil parce que là c'est un peu. Comment expliquer? C'est la tête de Wailord. Avec l'arrière de Flabébé, les couleurs de et une partie du corps de Meganium avec un bras de Cartana, un bras de Rookoops, une jambe de Hyporoi, une jambe de Carm oui, c'est ça, Carmash, je crois, entre Karchakrok et Grignote. Derrière c'est Flamiaou et l'autre, enfin Matoufeu, et l'autre c'est Givrali. C'est regardez. Regardez ce truc, il a aucun sens. C'est peut-être mieux de. Ouais voilà, c'est mieux de faire comme que pour la griffe. Mais pour la griffe, que t'ont-ils fait? What? La tête de Polagriffe avec l'arrière de Karchakrok. Une partie d'Evoli. Il y a du Habbo aussi, du tout dedans. Les bras de Grumble. Et les pieds de Flobio. Mais par contre, where? Juste où sont les pieds? ok. Par contre, pourquoi la couleur, elle est. Ouais, la couleur, elle est random là. Je sais pas, c'est chelou. Il est pas censé être vert. Alors, il y a la tête de Eoko, oui. Une partie de Mouscoto. En fait, je comprends pas. C'est. Ah, la queue. Ok, d'accord. Les ailes, la queue. Ok. Il a les ailes de Mouscoto. Donc, du coup, voilà. La queue de Solochi. Le corps de Kangourex, les bras de, vous savez, Vostourneau et les jambes de Thiboudet. Ça fait des trucs bien chelous quand même. C'est un peu une atrocité ça. Parce que du coup, les deux, ils ont la tête. Oh, le bébé et le Kangourex, ils ont la tête du Eoko. Putain, on dirait qu'ils vont se suicider. Quoi? C'est la tête de Latias, les ailes de Goélise,
la queue de Escargome, donc du coup on n'en a pas, le corps de Poisson Roi, les bras de Kyogre et les pattes de Cordine. Mais du coup, il n'y a pas de pattes, du coup. Ah si, il a une, c'est la queue d'Escargome, c'est le truc qu'on voit derrière, là. C'est, si, si, il en a une, c'est le sort de truc qui remonte sur son casque. Mais quoi? What the fuck? La tête de Culbutoke avec les ailes de Mascadra, la queue de Drascor qu'on voit dépasser un peu là derrière là, une des ailes de Mascadra, le corps de Manzai, les bras de Laporeille, donc du coup ils ont disparu, et les pattes de Fampi. Il y a toujours un truc... Ah oui, c'est la couleur de Manzai. Ok, d'accord. C'est pour ça que je me disais que c'était bizarre. Mais ouais, et encore, il est où le vert? Il a disparu, là. Il a pris cher. What the fuck? C'est la tête de... d'un des Cré. C'est Cré Fadet, je crois. Les ailes de Giratina Origine. La queue de Bagiguan, le corps de Junko, les bras de Masko, du coup là ça va, et les pattes de Maconure. En vrai on aurait mis la tête de Junko là-dessus, je pense que ça aurait été parfait. Attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à le... Mais non, c'est pas la tête de... Junko... Alors là je suis dans la deuxième gêne... Troisième gène, Junko, si je me trompe pas. C'est Sceptile. En vrai, il y a un truc. Bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'il y avait un potentiel quand même. Je pense, hein. Bon. Alors, il y a absolument rien qui va, parce que c'est censé être la tête de Rondoudou, avec les ailes de Trioxydre, la queue de Nidoqueen, le corps de Chétiflore, les bras de Ninjask et le corps de Grotichon. Enfin, les pattes de Grotichon. C'est juste une tête de Rondoudou sur le corps d'un Chétiflore. Pourquoi ? C'est voilà. J'ai même moi-même pas les mots. Alors. Putain, on est en train de créer des atrocités, c'est juste. Mais le titre, ça va être. On crée des atrocités. C'est la tête de Genesect avec. Les ailes, mais là c'est du coup les trucs de trio de pas trioxyde de Zygarde 50%, la queue d'Yveltal, le corps de Sort Bébé, les bras de Kirlia et les jambes d'Amphinobi. Il y a pas de jambes, pas de bras. En même temps, Sort Bébé il a juste des tout petits bras, donc du coup c'est un peu chelou. Si en fait on voit les bras de Kirlia entrecroisés en bas, mais il n'y a pas de jambes du coup. Sort Bébé n'a pas de jambes. Du coup ça fait chelou un peu quand même. What? Alors, il y a la tête de Tocorico, les ailes de Papinox qui sont classe en noir comme ça en vrai, hein. La queue de Exelang. On la voit vraiment derrière. Ouais, en vrai, ça va. Le corps de Flamoutan. Les bras de Rayquaza. On les voit. Hein. Et les pattes d'Excavarian. En vrai, il y a juste la tête de. A votre avis, quelle tête on pourrait mettre à ce Pokémon-là? Pas si on tente une tête de si on tente Xatu, ça va donner quoi?
En fait, faut recadrer la tête. Faudrait juste. Juste si on décale la tête, ça pourrait faire quelque chose. C'est juste que la tête est mal placée. Mais en vrai, le corps, il est pas dégueu. Bon, on va juste voir si on met la tête de. Ah, attendez. Ah, bah voilà. Si on met la tête là. Mais par contre, on met pas Xatu, mais qu'on met. Alors, par contre, comment il s'appelle? Je sais, c'est pas la. C'est la cinquième, mais. Ah! C'est. C'est Simisir, ouais, voilà, c'est bon, j'ai. En gros, si l'on met sa tête normale. En train de réfléchir, il y a. Il y a un potentiel, mais je sais pas quelle tête mettre. Mais en vrai, j'aime bien le corps. Bon, à part que ça fait un peu n'importe quoi. Mais par contre, les ailes de Papinox sont noires comme ça. Elles sont grave classe. Bon. Le prochain. Oh putain! C'est la tête de Grotta de Morve. Je pense que vous l'avez tous vu. Les ailes de Mellowcreak. La queue de Mustebouée qu'on voit là, les deux bouts derrière, le corps de Gigalith, les bras de Kaimors et les pattes de Balbuto. Alors Balbuto n'a pas de pattes, donc du coup il n'y en a pas, mais oh putain. En vrai, ça fait un Gigalith violet. Ça, alors, on enlève la tête de Gros Tas de Morve. Si on laisse la couleur comme ça, et qu'on met la tête de Gigalith. Gigalith, c'est 5ème génération, on est d'accord. Comment il s'appelle du coup? Merde, c'est descendu. Il s'appelle pas Gigalith, on est d'accord. Hein. Si, il s'appelle Gigalith en anglais, je crois. En vrai, il est pas. Il est. Alors, la couleur, j'aime bien le violet. Mais je crois que le corps, je l'aurais pas mis en gris. Mais en vrai, le violet, ça lui va bien. C'est vrai qu'en Shiny il est bleu, mais je pense que le violet ça aurait pu lui aller bien. Bon allez. Mais alors c'est la tête de Carabing, les ailes de Mussiole qu'on voit absolument pas, la queue de Kecléon qu'on voit un peu derrière les ailes de Vibranymphe vu que Vibranymphe c'est le corps, les bras de Tas de Morve et les pattes d'Elekid, on les voit pas du tout. En fait, on a l'impression qu'il manque un truc au niveau de la bouche. On dirait qu'il a pas de bouche, le Pokémon. Les couleurs, ça va, mais encore. Ah si, on voit les pattes de. Ah, il a les pattes de Liquid à chaque patte de Vibranymphe. J'avais pas vu les pieds, en fait. Par contre, il a pas de bras, donc du coup, concrètement, les bras de Grotta de Morph servent à rien. C'est triste quand même, hein. Putain, on a créé un monstre. C'est plus qu'un monstre là. C'est un film d'horreur ce truc. Alors, c'est la tête de Starry avec les ailes de Apiren qu'on voit un tout petit peu là. La queue de Fulguris. Les bras de Grolem et les pattes de. Les pattes de Rabolos. Oh, c'est la tête de Starry. Putain. Oh. En vrai. Si on met la tête de l'ombre. Si on met sa vraie tête. C'est peut-être les ailes qu'il faudrait remonter un peu. Non en fait. Il y aurait peut-être un truc à faire. Peut-être. Mais en vrai, c'est chelou quand même. Hein. Oh, vas-y, on en fait deux encore. Alors, je crois que je peux aller me pendre maintenant. Tout de suite, mais putain, mais what the fuck? C'est la tête de Aiden avec les ailes de Zygarde 100%, la queue d'Articodin, le corps d'un seul lourdeau, les bras de Zygarde 100%.
Et les pattes de Lumineon. En vrai, j'ai bien envie de mettre Zygarde. Zygarde 100% avec ce... What? Mais non, mais c'est pas face, putain, je suis con. J'ai mis Zygarde 100%, ça m'a mis QRM. Ça m'a mis QRM. Pourquoi quand je mets... mais what? C'est 6ème. Zygarde. Si on met Zygarde tout court. Oui, ça me met Zygarde tout court, oui. Par contre, c'était... du coup, là, c'était... Ouais. Ouais, alors... Ouais. Oh, j'ai envie de tester avec Mewtwo. Oh, cette mocheté, putain. Oh wow. Mon dieu. Bon, allez, le dernier. Pardon. Il a... C'est Ténéfix, les ailes d'Archéoptérix, la queue de Rélicante, le corps de Rélicante, les bras de Fortress. Il n'y a pas de bras. Donc voilà. Et les pattes de Volcanion. Attendez. En vrai, la tête, là. Et les ailes, attendez. Tu vois, les ailes, ça va pas, en fait. Les ailes. Si on les met là. Et la queue, si on la met là. Ça ressemble à rien. Mais bon. Bon, voilà. On a créé des atrocités tous ensemble. Enfin, juste moi pour l'instant. Hein. En vrai, c'est marrant parce que ça donne vraiment des trucs n'importe quoi. Je pense que ce sera d'ailleurs la seule vidéo sur cette page. Je pense que je vais refaire des fusions dans pas longtemps parce qu'ils ont peut-être rajouté la 8ème génération et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les Waka Waka.